Bonjour, je suis Xenia, je suis étudiante de deuxième année de l'Université de transport de Russie. Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler de la ville de Nijovi. Voachiche est une grande ville située dans la région de Moscou. La ville, située sur les rives des rivières Pikhorka et Gori. Une autrefois, à cet endroit, il y avait des villages. Novi, Pera Pokrovskoye, Pera Yakovskoye, Gorki. Aujourd'hui, il y a des immeubles à habitation à plusieurs étages. Voachiche est connue comme un centre de production textile. La première manufacture textile pour la production de tissus est apparue ici en 1870. Le fondateur était le prince Trubetskoy. Après un certain temps, une autre usine a été ouverte, la manufacture Voachichenskaya. En 1925, le village de type urbain de Voachiche a été créé où vivaient les ouvriers d'usine. Au fil du temps, une école et un hôpital sont apparus dans le village. En 1939, Voachiche a reçu le statut de ville. Il y a beaucoup de monuments dans la ville. La ville possède un musée d'histoire locale, une galerie d'art, des cinémas et des théâtres. Les manoirs Potivo et Gorki sont recommandés pour la visite. Maintenant, la ville se développe, des beaux parcs et fontaines apparaissent. Le parc archéologique de Pekhorka a des pistes cyclables, une petite scène, de nouvelles aires de jeu, des itinéraires intéressants pour les enfants et les adolescents seront créés. C'est un endroit idéal pour des vacances paisibles en famille dans les limites de la ville. Je m'habite dans ma ville. Parc, c'est confortable et calme. Au revoir.